Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Les petits pouces aussi. Salut les gens, c'est Cosplay, nous voici de retour sur Lens Island. Et nous voici de retour devant ce panorama. Regardez-moi cette zone qu'on doit encore explorer avec tous ces petits spawners qui brillent au loin. Donc on va descendre, il me semble que c'est par là. Oula, c'est quoi ce délire? On peut pas descendre plus bas. C'est une blague? Ah, je pense que c'est par là, d'accord. Ah oui, il y avait un escalier, c'est un escalier troll. Moi je fais ça au feeling parce que je vois pas ce que je fais. Voilà. Il se cache derrière le décor. Le fourbe. Tiens! Voilà. On a détruit le spawner. Il est toujours pas mort, Buzz Éclair là? Wow! Ah, il pique en plus, hein! Pouah. Courage, Tremont! Reste à distance! Malotru! Oh non, 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 non! Faut pas que tu me tues, toi, parce que j'ai plus beaucoup de vie là! Faut se calmer! Ça devient hard d'un coup là, je sais pas ce qui se passe. On va peut-être manger un petit bout, ça devrait aller mieux comme ça. C'est sympa avec cette petite cascade là qui passe sur le côté. Franchement, ça rend bien. Oula, par contre, ça rend moins bien ça. Reste à distance toi. Hop. Oh, mais c'est qu'il. Il finit par braver ma lance. Voilà. Tiens, je l'ai pas vu venir celle-là. Non, mais. Par contre, j'ai pris un petit peu de tarif. Ah, nickel, il y a de quoi se restaurer la vie ici. On va essayer d'allumer avant qu'ils arrivent. Non, 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 attendez, attendez. Ah. Restez à distance. Eh, franchement, quand on la maîtrise bien la lance, ça dépote, hein. Je sais, je me répète, mais je suis content de mon craft, hein. En fait, faut que je crame les spawners, sinon ils vont apparaître plus que je les détruis. Je vais me faire dépasser. C'est déjà le cas, j'ai l'impression. Voilà. Non, non, il est tristé. Et heureusement qu'il y a le bras zéro à côté quand même. Voilà. Eh ben décidément il y a du monde ici hein. Ah je suis en train de sortir. Non. Faut se ressaisir. On passe à l'épée. Tiens. Hop. Ouh. Eh ben. Il y a des ressources. Il y a quelqu'un. Ouh. Ah, encore un bras zéro, ça veut dire qu'il y a du fight ou c'est juste pour décorer? Ah, ça veut dire qu'il y a du fight. Donc si je descends là, ça va être la fête. Bon, bah de toute façon, on est venu ici pour ça. Hein. Faut pas hésiter. Dégage! Wow! Ah non, j'avais esquivé! Ah, je suis pas mort par la perspective! Allez, marchez sur les pièges, vous. On rigole un peu là. Faites-vous mal. Je pense même que c'est voulu ça. Faut pas que moi je marche dessus par contre. Oh, qu'est-ce qu'il y a toi? Tu t'es pris dans ton coin tout seul? Mais bou! Tu vois tes copains qui se font avoir par les pièges? Bah ouais, c'est le jeu hein! Ça y est, je crois qu'ils sont en train de mourir, non? Ils ont eu des explosions. Ah non, c'est leurs armes. Ah, c'est leur pouvoir. Je pense que c'est eux qui mouraient. Oulala! On joue à 7 moutons! Donc, ils sont vénères les moutons. Quoi? J'ai pris les dégâts, je ne sais même pas ce qui m'a touché. Peut-être leur tir, mais j'ai même pas vu. Ah! J'ai fait avoir par un piège! Ouais, ça craint pour moi là. Là, je vois pas comment je peux faire. On va essayer de passer en mode combat. Ouais, je te dis ça et je fais n'importe quoi derrière. Dégage! Je peux manger un petit bout avant de mourir. Un petit dernier repas. Je panique pas, je panique pas. Ah oui, on peut se régénérer en mangeant! Même si la jauge est pleine. Ah, je savais pas ça. Ah, ce shit. J'ai utilisé toutes mes ressources, je m'en fiche. Je survivrai. Ça ressemble à rien. Je suis poursuivi par un troupeau. Ça va, il meurt. Enfin. Ça se dépeuple. Une fois que les plus gros sont morts, je peux m'occuper des petits et détruire les spawners. Hein. Ouais, pour l'instant. Ouh. Oh, c'est skill. Ouh là là. Ouh. Lâchez-moi la grappe! Voilà! Oh, y'avait aucun moyen de le faire autrement que comme ça, je pense. Hein. Ouh! Je me suis gavé de. B.
J'ai mal au bide, mais au moins j'ai gagné. Et marche là-dessus, toi. Bah, vous deux. Voilà. Ouais, vous faites pas peur, hein, vous. On voit les gros machins que je viens de me farcir. Vous êtes de la petite friture à côté, hein. Eh ben, qu'est-ce qu'il en reste encore? Y'a quoi par ici? Un escalier, d'accord, qui mène... Un truc à réparer... Oh, ce troll! Je répare l'escalier qui se dérobe sous mes... sous mes pieds, quoi. Ah, mais voilà, ça mène à l'escalier que j'avais vu la dernière fois, d'accord. Ah, c'est un raccourci pour remonter à l'ascenseur, très bien. Alors... Qu'est-ce qui se cache ici? Encore un forgeron qui malheureusement s'est paumé dans les souterrains. Quoi? Void Burr? Ah mais non, mais moi j'étais... Je savais pas qu'il y avait encore un truc. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Non, dégage! Moi je crois que la lance c'est non négociable. J'aurais dû prendre le bouclier qui m'avait été offert. Je savais pas qu'il y avait ça. Non! Je suis trop jeune pour mourir. Ah, je suis un piège. Non! Non, mourir comme ça c'est moche. Laisse-moi passer. Je suis pas mort, je sais pas comment ça se fait. Bon, on va encore manger beaucoup, tant pis pour les... pour le transit, hein. Pour l'intestin. Oh, mais j'ai même pas fait de dégâts. Je vois pas du tout de moment en pattern. Ah, c'est la guerre quand il casse des trucs, là. On pourrait tenter quelque chose. Peut-être je vais faire une petite séance d'acupuncture. Bougez pas, je vois que vous êtes stressé. Là, ici, voilà, vous avez le chakra du plexus solaire qui est coincé, je comprends. Ça se voit dans votre comportement, vous avez envie de tout casser, c'est normal. J'ai déjà vu ça chez plusieurs patients. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a moyen de s'en aller sans combattre? Là, j'ai pas le niveau, faudrait que j'en revienne avec un autre stuff, j'en sais rien, mais... Non, mais foutez-moi la paix! Je suis pas qualifié, je vous le dis, je vais vous orienter vers un de mes confrères. Vous allez voir, il est sympathique. Et ses honoraires, c'est accessible. Mais au petit budget, alors vous, je pense que ça devrait aller, quoi, c'est... Vous êtes plutôt aisé dans le coin, non? Je sais pas, quand même... beaucoup de mobilier que vous avez cassé comme ça pour le plaisir, hein, il me semble. Voilà, des coffres... Ah, ça lui fait pas de dégâts, la torche, dommage. J'ai cru qu'il allait prendre feu. Oh, ça ressemble à rien, ce combat. C'est ça qu'on aime. Après, si je fais des esquives latérales, y'a moyen. Faut juste que je me trompe, quoi. Voilà, quand c'est trop un tempo. Oh, faut pas rester droit devant. Comme un taureau. En fait, je suis en train de faire une corrida, quoi. Ça, c'était très 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 stupide de ma part, mais c'est joli. Le résultat est pas mal. Ouh. Dégage. Au pire, avec l'épée, peut-être que je ferai plus de dégâts. Que finalement... Ouais, on est plus rapide à l'épée. Hein? Ah, mais si tu t'amuses à faire ça, mec, on va pas être copain. Tu te calmes. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Ah c'est plus la même d'un coup là. J'esquive sans ça avec une boîte, voilà. Et après quand il fait ça par contre... Je vais arrêter oui. Ah non il enchaîne deux à la fois. Non 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 tu te craches quand tu fais ça d'abord. Voilà. Comment je peux battre contre ça? C'est pas possible. Il va me rayer de la surface de la map alors même que moi j'ai le temps d'envisager de le faire. Même chose de lui. T'arrêtes hein. Comment on fait pour qu'il lâche son canon là? C'est le seul moment où il y a un safe point où je peux le frapper. Sans risquer ma mort. Oh là là. J'ai plus beaucoup de vie. Ouvrir ça, ça me bloque. Pas, justement. Faudrait que j'arrive à glisser autre chose que les myrtilles. Genre ça, ouais. Voilà, ça m'a coûté beaucoup de vie, mais je vais pouvoir me régénérer. Ouh! Non! Non, 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 c'est moche là, je suis en train de revenir à la vie là, mec. Sois fair play. Maman! Je rentre à la maison! Ouh! Voilà, j'ai mangé un stock complet de citrouilles. Je reviens dans le jeu. Ah, mais dans le jeu, mais je suis pas frais là. Il m'enchaîne. Évidemment, quand je m'éloigne, lui, il tire son laser. Par contre, il y a une portée qui est un peu bizarre à évaluer.
Des fois j'ai l'impression de pas être à portée de son tir et je me fais prendre quand même des dégâts. Bon, on arrive à la moitié de sa jauge de vie. Il me semble que si je mets derrière une pile, son laser ne me touche pas. Ah, celui-là si, mais celui-là non. Bon, il faut une grosse pile, hein. Pas ce truc central, ça sert pas à grand chose. Mais celui-là par exemple. Arrête hein! Tiens! Je pense qu'il y a encore moyen de gagner. Sur un malentendu. Un gros malentendu, il a peut-être même gagné. Oh là là là. Ouh. Non! Ah, ça pique! D'un coup, le jeu se transforme en Dark Souls, c'est pas prévu. Je pensais avoir fini, là, j'ai battu les autres dans la zone, tranquille. Et là, d'un coup, il y a ce truc-là qui survit nulle part et qui veut me manger. Oh, t'arrêtes, hein! Moi, je suis team acupuncture, je t'ai dit. Les électrochocs, c'est saut 1980, ça. On a arrêté ça depuis longtemps dans les hôpitaux qui sont dignes de ce nom. Ça, c'est pénible. Ça, son truc par terre, là, qui tape et que ça fait une onde de choc, c'est très compliqué à gérer. Eh bien, si, petit, 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 pas petit, petit, pas petit. Ah, je prends des risques, j'en ai marre. Putain, une cour après, je mange trop de citrouille, je pense avoir le bide. Me transformer en carrosse. Ah, vite. En fait, l'onde de choc, elle parcourt tout le truc. Hein. Y'a pas moyen de la semer, hein, en mode plus de quelle, quoi. Hop là. Ah, ça y est, une ouverture. Oula, oula, oula. Oula, il faut se ressaisir. Non, 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 pas si proche du but, c'est mort. C'est mort, c'est toi qui as clamé, c'est pas moi. En fait, il faut que je m'éloigne quand ça il tire son truc, je crois. C'est sa stratégie, c'est ça. On s'éloigne après avoir esquivé la vague. Il va se retourner pour me tirer dessus. Ah, mais non, mais faut pas que je sois devant lui quand il tire aussi. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il allait avoir la colonne qui allait me gêner. Alors que je m'en sers depuis tout à l'heure contre lui, c'est moi qui me. Elle se retourne contre moi. Mon allié, la colonne qui m'a trahi. Non. Eh bien. C'est maintenant ou jamais. Tiens. Oula, oula. Il est pas content. Vous savez, monsieur, c'est pas en étant violent comme ça, en criant à tout bout de champ, que vous allez avoir des trucs bien dans votre bien. Oh, il arrive à l'atteindre d'ici, lui. Oui, donc. Faut être plus à l'écoute. Là, vous êtes toujours en mode moi je, à taper par terre, en étant exigeant. Désolé, mais ça marche pas comme ça. On est dans un monde civilisé, on s'exprime. Si on veut quelque chose, on s'exprime gentiment. Faut être force de proposition. Et pas toujours attendre des autres la solution, hein. C'est une fuite, hein. Ah, enfin. Ah ouais, c'est quoi ça? Des orbes. Full of dark essence. Il y en a tout plein qui me tendent les mains, là. Et je suis full. J'en ai combien? J'en ai 300, alors. Si c'est comme pour trouver d'autres ressources, je suis à 300, ouais. Tout ça pour rien. Il y a un coffre. Qu'est-ce que ça cache? Du pain et du roseau. Voilà. J'ai battu cet horreur pour du pain et du roseau. Oh, super. Super, super. Bon, bah voyons voir ce que cachait ce truc. Une princesse au moins, j'espère. Même pas. C'est quoi ça? Des cristaux et de l'or. Waouh. Génial. Génial, génial. C'est tout? C'est tout ce qu'il y avait? Bon bah, rap alors. Ah, ça y est, c'est allumé. Donc oui, c'est validé. Il nous reste encore 3 à faire, et quand on voit la taille des pylônes qui s'élargit et qui grandissent de plus en plus, à mon avis, ça va être de plus en plus hard, avec d'autres boss sans doute. Mais bon, on découvrira ça dans un prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à un petit pouce, à commenter, partager, et à vous abonner, c'est pas fait. Allez, à toutes!